Bonjour la team, c'est Normal Cochon, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur le jeu Journey of to the Sun. Donc c'est un jeu où vous pouvez récupérer du coup la caisse de Wern sur l'event Metaverse et c'est la caisse de la semaine numéro 3. Donc dépêchez-vous parce qu'à la fin, dans une semaine, vous ne pourrez plus la récupérer. Quand vous arrivez sur le jeu, vous avez une petite didacticielle, enfin tout ça après vous en moquez parce que moi je vais vous expliquer tout ce qu'il faut faire étape par étape pour pouvoir récupérer du coup cette quête. D'ailleurs accessoirement j'ai découvert ce jeu et c'est vrai que je le trouve assez sympathique, assez fluide et tout. Peut-être que je ferai d'autres vidéos dessus, mais en tout cas j'ai bien apprécié. Donc lorsque vous spawnez, vous êtes ce petit personnage, voilà. Et donc dans un premier temps, en fait, ce qu'il faut, c'est récupérer, je ne sais pas si vous voyez, les sortes de, on va dire, de flammes qui sont jaunes. Parce qu'en fait, plus vous allez en récupérer, plus vous allez pouvoir sauter loin aller, et sauter haut. Et du coup, on va commencer par récupérer ça, les différentes petites flammes. Donc là, j'en ai déjà récupéré une. On va essayer de récupérer toutes celles qui sont sur l'île de base. Vous voyez que déjà là, mon saut est quand même beaucoup plus important. Hop, il y en a une dedans, voilà. Il y en a une, voilà, juste ici. C'est déjà pas mal. Bon, ensuite, après, c'est un peu comme un hobby. Après, ça reste, on va dire, quand même très facile parce que les plateformes sont relativement grandes et les sauts relativement faciles. Alors, je sais pas trop après comment vraiment classer ce jeu-là, mais en tout cas, moi, je me suis bien amusé. Hop, voilà, encore un petit bonus. Alors après, je pense que des fois, il y a des choses un peu cachées, hein, mais bon. Vous n'avez pas forcément besoin de bien tout explorer. Bon, là, si je saute pas, forcément, ça va pas le faire. Hop, bon. Alors, du coup, j'en profite pour vous dire que vous pouvez vraiment mourir. Hein. C'est pas grave, vous allez reprendre, vous allez réapparaître, en fait, au dernier spawn que vous avez pris. Hein. Hop. Donc, le but, c'est d'aller jusqu'au coffre bleu qui est tout au fond, là-bas. Je sais pas si vous le voyez, tout devant moi, j'ai une sorte de coffre bleu qui apparaît en surbrillance à travers les différents items. Et du coup, le but, c'était vraiment d'aller là-bas. Donc après, moi, j'essaye vraiment de jouer un petit peu plus au jeu, de récupérer tous les bonus. Mais je pense que si vous les prenez pas tous, ça le fera quand même... Enfin, ce sera suffisant. Parce que bon, les sauts restent quand même assez faciles, ça passe quand même assez large. Après, je sais pas du tout si c'est possible de jouer sur mobile, et bon, après, je sais que j'ai aussi un PC relativement puissant, donc je sais pas s'il y a des gens qui trouvent que ce jeu lag ou pas. Hop là, voilà. Donc là, c'est le dernier petit jump pour aller récupérer le coffre de Wern. Ah, j'ai vu qu'il y avait des choses par terre. On va quand même aller récupérer, même si je pense que ça sert pas forcément à grand chose. Ah, en hauteur, c'est quand même limite. Hein. Hop, dernier saut. Encore un. Oui, encore un. Encore deux même. Allez. Et voilà. Donc, lorsque vous arrivez ici, vous allez dans le coffre. Vous avancez dessus et ça vous dit que vous avez récupéré le coffre et ça vous donne le badge. Voilà, c'est tout, c'est fini. Alors pour ceux aussi qui se demandent, comme toujours dans cet event là, vous pouvez récupérer aussi ce coffre là par plusieurs façons. Hein. Tous les jeux qui vous permettent de récupérer ce coffre là sont dans le hub du Metaverse. Voilà, je tenais aussi à remercier Astruc qui m'a montré cette méthode là et qui m'a fait découvrir ce jeu. Et bah sinon, bah je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao!